Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans la ratatouille infinie dans Tales of Iron. Et aujourd'hui, on continue. Regardez, on est un vrai roi. On a une couronne. On est imbloquable. Notre frère a potentiellement défendu le château. Tout le monde est en branle-bas de combat. Nous revenons de la ville des technotopes. Les technotopes qui sont les alliés du peuple des rats. Hein. Je m'attendais à des ennemis, mais ce sont des alliés. Et comme ils habitent techniquement sous mes terres, et que ça reste quand même chez moi, hein, parce que mon espace aérien et mon espace terrien est à moi, j'ai décidé, bien évidemment, suite à cette alliance renouvelée, de... Doubler les taxes! Tripler les taxes! Évidemment. Du coup, maintenant que nous sommes bien équipés et qu'on peut se faire respecter, parlons un petit peu à ces lambins inutiles. Alors, quelle est la dernière emmerde? The enemy had returned, just as he'd feared, but sooner than he'd have believed. They'd slithered in through a broken pipe in the crypts. His brother and the rat guard had driven them back, for now. His brother Dennis pointed the way. He'd meet them below at the broken pipe. Together, they would end the frog scourge for good. His new mole friend offered to stay and help Comrade Reggie with this fight. If the Rat Kingdom fell, Mole Town would surely follow. Bon, eh ben au moins les taupes sont lucides. Très bien, Rebus insiste, nous devons aller mettre des quilles et c'est ce qu'on va faire. Hop, 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 hop. Après tout, on est équipé. Non mais l'arrêtez pas, c'est un allié. Oh là là, c'est l'attaque! Oh, c'est inacceptable! Prends ça, sac à... Non! He died as he lived, defending Ratford from the scourge of frogkind. The guard captain had truly earned his place, entombed alongside kings. Putain! C'est pas grave. Allez, non. Ah la vache, j'ai pas pu m'en sortir. Il va faire ce multi-saut de merde. Ah la vache. Plus simple à faire qu'au début du jeu. Je suis désolé, mon gars. Putain, il sera enterré à côté du roi. Ah, elle a été pour toi, celle-là. Impeccable. Bon. Ah, tac, 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 tac. Bouc. Faut mourir! Voilà! Le flingue, c'est complètement présent aussi. Hein. Et il m'a rendu mes 3 balles. Hein. Putain, ça se frit tellement sec! C'est comme ça qu'on fait, enculé! Bouc! Eh ben. Ça bastonne sec. Hein. Je vérifie qu'ils ont rien fait à la tombe du daron. On sait jamais. Ils ont rien fait. Très bien. Excellent. Monseigneur, où est-ce que vous êtes parti? J'ai rien, je vérifiais les arrières. Cassez pas les couilles. Impeccable. Allez, aucun garde n'est entré dans les catacombes pour vérifier que c'était safe. Hein. Ah non, 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 ils s'en battent les couilles. Hein. Tout faire soi-même dans ce royaume à la con, hein, je vous jure. Même pas de princesse en plus. Hein. Bon, s'il y avait une princesse, ce serait ma sœur. Mais on est des rats. On fait ce qu'il faut faire. C'est terrible. C'est terrible.
In the king's absence, the builders had repaired the crypt entrance. Reggie was as glad of this sight as he was it had not cost him any gold. Il y a intérêt que ce soit gratos. Alors par contre, voilà, histoire de pas me retrouver baisé comme la dernière fois. Voilà. Voilà. Très bien. Dans l'état. Ouais, tant pis. Le 6 coups suffira. Ok. Très bien. Statue de l'abondance, statue de la justice, statue de la famille et statue guerrière. C'est ouvert. Les statues sont restituées. Après tout, les statues, c'est le statut. La tombe de Ratus. Comment ça? Wap! Ah oh, putain. Oh la vache. Double whammy. Oh, ça touche quand même, ça? Ok, la clé. Très bien. Des plans. Ah, voilà. Bon, du coup, ça me rend lourd. Mais on est correct là. On est correct. Bon. Eh ben, on a récupéré la véritable couronne. Cependant, on est un peu low life, hein. Ainsi qu'en surpoids. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On assume notre surpoids? Pas de tenue anti-grenouille. C'est la meilleure tenue anti-grenouille qu'on peut avoir. C'est vraiment une vraie tenue de roi, si tu veux. C'est la tenue du True King. Parfait. De l'autre côté, s'il y a un moment pour le sortir, c'est maintenant, si tu veux. Deus Vult. Plus de balles, un de poison. Alors, je viens de gagner cette couronne et elle est stylée, mais très sincèrement, je préfère celle-là, hein. Voir celle-ci, hein. J'ai beaucoup d'affection pour celle-là.
Le style, c'est important. Voilà. Et si on doit être représentatif... Ça, c'est représentatif à mort aussi. Hein. C'est une couronne, hein, ça marche. Mais bon, le style, c'est important. Rester hydraté, c'est important. Avec un instant Ricard. Ouf. Ok. Ah, j'avoue que la couronne de Templira, hein. Ah mais elle le met trop lourde, tant pis. Le marteau, l'épée à deux mains, le flingue. Alors on est bien, on est bien, on est bien. En même temps, attendez, je viens de développer des plans. Voilà, je suis désolé. Je viens de développer des plans. Il faut que j'aille à la forge. Tant qu'on y est. Parce que ça se trouve, il m'a filé des plans pour du matos de fou furieux, tu vois. Et le marteau de Thor, je suis d'accord, c'est classe. Mais en même temps... Donnez-moi le glaive de Sommer, si tu veux. Donnez-moi l'épée de Konamar, l'épée du tonnerre, tu vois. Donnez-moi du métal. Allez, frangin, je suis sûr que tu peux forger mieux que ça. Allez, allez, allez. J'ai récupéré une couronne qui était ultra stylée sur un cadavre des ancêtres que j'ai mis à bas. Une lance, mais ça vaut rien du tout. Ah, oh, bouclier, il a son prestige, hein. Oh oui. Oh, on parle. Oh, on parle. Alors là. Là, on discute. Là, on négocie. Là, on synthétise. On tombe sur quelque chose d'un peu plus onctueux. Côté poids, c'est ce que j'ai de plus léger hein, en lançant, on est d'accord. Ah, très bien, on a ma deux mains, ok. On tombe sur quelque chose d'un peu plus onctueux. Est-ce qu'on peut passer en bouclier moyen ou ça nous met automatiquement en surpoids? Que là ça se met automatiquement en surpoids bien sûr. Parce que là on est bien hein. C'est un peu la chevalierisation hein. Écoute hein. Pas besoin de couronne si j'ai déjà la classe après tout. Impeccable. En tout cas, j'espère que c'est pas la fin du jeu et qu'il en a encore un peu dans le slip. Mais allons-y. Deuxième itinérance. Ah mais là, je suis encore léger et j'ai une défense de bâtard. Hein. J'ai une défense de bâtard. C'est le meilleur casque lourd, Bob. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas le casque en plein comme il y a sur l'image au fond. C'est-à-dire le vieux... pas le home, mais le comment ça s'appelle? Pas le cabossé. Tu sais, le bec, quoi. Le casque à bec. Petite sauvegarde. Petite boisson. Petite balle. Ça, c'est pour se mettre bien. Un bassinet, c'est ça. Je vais mettre des quilles. Allez. Bouc. On est bon. Ah putain, je vais. Je les ai même pas remarqués, tu sais quoi?
Ok. Très bien, il me rembourse en balles. Ils m'ont remboursé les balles. Rembourse le liquide. J'aime comme c'était les boss du début, mais je les déglingue. C'est un plaisir. Dennis was waiting, just as he said he would, and called out to his brother. No doubt that was how they found him so fast. The frog scum. The toxic smoke was too thick to follow. But Reggie's mole friend told him there was hope. In Station 24-7, they sold a breathing device that would let him pass through the smoke unharmed. The king could go in Jay's automobile. Jay would stay and kill any frogs that came this way, or die trying. Oh, putain. A strange, toxic world lay ahead. Reggie hoped he was prepared. Oh, la putain! The king was impressed by his brave mole friend. After the war, he hoped to know him and his strange people better. Pour le coup, j'avoue, hein. Bon, on a le temps de faire un petit Genève-Rennes. Avec les morts vivants qui se baladent toujours. Temps de faire un petit Genève-Rennes en voiture. Il y en a un petit peu pour 12 heures de route. Pas d'inquiétude. Il va falloir donner un titre et des terres à cette brave Tov. Doubler les taxes. Tripler les taxes. Elle aura une paire de lunettes et elle fermera sa gueule. C'est mes terres. Ça se distribue pas, ça. Alors, on trace, et on a le droit de voyager rapidement. Ah, on peut voyager rapidement. Ce qui veut dire qu'on peut voyager rapidement au village Longtail pour vérifier si ces connards n'ont pas des plans à vendre. Voilà. Le frangin avec le casque à gaz, il va trahir. Parfait. Impatient de lui remettre une deuxième quille. Et puis, avec le frère mort, les réserves de liquide du royaume devraient augmenter substantiellement. En vrai, c'est peut-être la première fois qu'on arrivera à faire des réserves en 12 ans, tu vois. Impeccable. Bonjour. Alors oui, c'est la guerre, mais vous avez rien à vendre? Putain, vous servez à rien. L'endroit est fermé, décret royal. Hop. Ensuite, loge de chasse, il se passe des choses. Hop. Très bien. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça veut? Créature étrange. Ah! Les aliens. The Rangers have heard reports of the strange creature nearby, but they don't believe it. Claims about its size can't be true. Only one way to find out. Silence, Geralt. Très bien. Il nous faut le masque à gaz d'abord. Tu peux pas, t'as pas le masque à gaz. Ouais, mais écoute, à la Metroid si tu veux. J'ai pas besoin de la tenue. J'ai pas besoin de la variation. Ok, par là. Avant ça, hop, ça c'est gratuit. Économie d'énergie. Ensuite, bonjour. Ah voilà, super, ça vend 25 balles. 25 balles ! Salope ! Bon, c'est pas grave. Super, cette taupe ne pense qu'à la défense. Défi ultime 2 à la fois. Le champion légendaire de l'arène, Hulk Topgan. Let's go. The Molberg shield was thick and heavy, crafted from the strongest plate metal,
Getting past it would not be easy. Putain de merde. Ah la vache. Oh non, mais je l'ai passé ça. Oh mais je le dash en avant, je vous jure. Non, merde. J'ai mille fois dashé en avant quand il prépare son coup de bouclier pour lui passer au travers, si tu veux. Et je me demande s'il faut pas dasher en arrière en fait, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. C'est pas. The Molberg shield was thick and heavy, crafted from the strongest plate metal. Getting past it would not be easy. Vous avez vu? Ça aussi, tu vois. Esquiver celui-là, de toute façon je peux pas. Oh là 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 là. Faut esquiver tout en arrière, faut pas hésiter. Sauf celui-là. Oh mais même pas le temps. Heavy shields make for slow targets. Ouh. Slow targets make easy gold. Ah putain. Ce jeu il est possédé, je vous jure. Hein. Oh la vache. Oh le Riot Shield, j'avoue. Alors Hulk Top Gun et double problème. Double problème d'abord. On en est. Allez. Allez. Instant. Instant Dr Pepper. Bon, je suis lourd, mais j'ai une meilleure défense. On ose espérer. Allons-y. Double trouble means double gold. Ah
Oh non, ça touche, ça. Non, ça touche, je suis dégoûté. Oh, vite. Non, mais c'est dégueulasse, ça. Ça aime. J'ai roulé vers l'avant. Je suis dégoûté. Ça va bien se passer. Dégueulasse. Bon. Absolument dégueulasse. Double trouble means double gold. Mais je suis touché par ça, bah d'accord. En pleine roulade j'étais. Ok, pas de problème. Ok, puis c'est réglé, Dieu merci. Alors, ce sac à merde. Inréactable. À part si tu sais qu'elle vient, c'est inréactable. J'ai vers l'arrière, vers l'avant, j'ai tout essayé. Si tu veux. Et attention, coup de bouclier, voilà, bien sûr. Tu lui fais des paris, mais il s'en bat les couilles en vrai. Attention, le coup de bouclier. Il a rechargé son coup de bouclier. Voilà, c'est ça. Oh putain. Non, mais non. Allez. Table. Voilà. Coup de bouclier. Le coup de bouclier. Le coup de bouclier. Bientôt, juste après ça, il va me faire un coup de bouclier. Il a le droit. C'est revenu. C'est revenu à la mode. Voilà, bien sûr. Coup de bouclier. Non, pas coup de bouclier. Il va me faire une charge. Voilà. Je prends le temps de bien l'esquiver. Coup de bouclier, c'est gratuit, c'est à la mode. La charge. Ah! Eh ben quand même, fils de pute, hein! J'ai deux, trois trucs à dire à votre responsable! Oh la... D'accord. It's ok. J'ai pas de remords. J'ai pas d'horreur. Deux, trois trucs à dire à votre responsable. Je veux voir le manager. As Reggie cut the final combatant down, the crowd cheered his victory. Bloodthirsty though it was, he had grown fond of Moltown. Sympa la ville. C'est de la merde. Fort aimable.
You going nowhere. Alors je sais que si je faisais une attaque chargée à la grosse arme, je pouvais faire tomber son bouclier, mais comme il faisait des coups de bouclier irréactables, et que derrière il a des attaques normales et des charges qui t'enlèvent la moitié de ta vie aussi, alors que je suis full armure, t'as pas le temps de les caler si tu veux. J'ai réussi à le faire une fois en combat, mais en vrai c'est pas viable. La charge est trop longue, la charge est juste trop lente. The Arena Champion, Hulk Mulgan, was a living legend of Moltown. His legend might have to live on without him. C'est simplement un combat de bite. Ah, c'est à celui qui aura la plus grosse. The Arena Champion, King Demolition. They cheered. One legend had died, but another had come to take its place. T'as cru que j'étais une souris, mais je suis un rat. Et les rats ont une plus grosse queue que les taupes. Oh, le beau glaive. Je prends, il est merveilleux. Ce fauchard, par contre, bof. Armure anti-grenouille. Pourquoi pas. Le casque, on s'en fout. Très bien. Rééquipons-nous maintenant, rééquipons-nous. Alors, ça c'est une très belle armure qui nous fait résister aux grenouilles, mais est-ce qu'on a mieux? Simplement oui. Ce bouclier me fait rire, donc let's go. Donc on pourrait garder un bouclier lourd et être léger. Hein. Le futur un peu. Très bien, très bien. Excusez-moi, j'étais en train de m'équiper. J'aime beaucoup cette épée. Même si le marteau est plus fort, je suis d'accord. Pas pour le marteau. De toute façon, si on est over la limite de poids, cherchons le style. Voilà. À défaut d'être au-dessus de la limite de poids. The device made it hard to breathe, and a battle helm was more comfortable. But this protected him in a different way, from toxic smoke. With this, he would find his brother. Enfin. Allez. Très bien. Donc c'est quand même la fin du monde et la fin du jeu et la fin de tout ce que tu veux. Cependant. Cependant. Plus tu es lourd et plus les esquives vont être un enfer pour toi. Bleh, je vais tanker. Tout au jus de cul.
Pendant ce temps-là, la taupe bute des grenouilles à l'infini. Mais oui, tant qu'elle a des balles, ça passe. Hein. La taupe en mode « You going nowhere !» Qui fait des DDT. Hein. Alors, sur 3. D'accord, elle ne m'offre que du poisson. Je pensais qu'elle pouvait m'offrir une upgrade ou quelque chose d'intéressant, mais en vérité, non. Très bien. La quête dit oui, créature étrange. Saloperie d'alien. Saloperie d'alien. Ouais, on veut descendre par là. Allons-y. Je m'attendais pas à affronter ces saloperies de mouches. Mais elles étaient sur la route. Ce qui serait intelligent par contre. Voilà. Je vais profiter de ça. Et voilà, profitez de ça surtout. Très bien. Ok. Et là, normalement, je peux aller dans le poisson. Super, j'ai le masque à gaz. Impeccable. Génial. Appétissant. Ok. Quand même, hein, j'aurais vécu une vie de mammifère bien remplie. Hein. J'ai pas encore trouvé de reine. Hein. Alors. Eh. Pas mal. Nulos. Another of these fanged and clawed creatures. But if he could kill one Reggie reasoned, he could kill two. À chaque fois, je me fais avoir par celui-là, ouais. Ah, trop loin. Très bien. Oh, très classe. Oh, très classe aussi. The rangers were wrong. The creature was real, and nothing about its size was exaggerated. Sometimes a tall tale is worth hearing. D'accord. Je m'attendais à ce que ce soit plus complexe, très sincèrement.
Je m'attendais à ce qu'il y ait deux créatures comme ça, en fait. Que t'en affrontes deux en même temps. J'étais prêt, moi, à en affronter deux en même temps. Après celle-ci. Ça aurait été complexe, mais ça aurait été joué. Ça aurait été complexe, mais jouable. Voilà. Comme je viens de le démontrer si habilement. Après, c'était des petites, tu vois, c'est pas les mêmes. Ah! Très bien. Bon. On est sorti des cracracombes. Sorti des cracracombes. Très bien. Voilà. Ouh. Ça va, heureusement, je connais les égouts comme ma poche maintenant. Les égouts, c'est mon fief. Et voilà. Bien, on va faire ça. C'est sûr, il n'y a plus rien à la loge. Il n'y a plus rien à la loge. Enfin. Et voilà. Oh là 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 là! C'est le prestige, c'est le prestige! C'est le prestige! Oh là. Bon après. On n'y est pas. Oh, meilleur casque ça! Pour la vache! Ça me met une défonce mon gars! Après, elle est pas ultra jolie comme tenue, c'est pour ça que je préfère l'autre. La fashion, c'est important. J'ai récupéré une épée en os, très classe. La hache en os, très classe aussi. Pistolet et tout. Non mais je suis bien là. Ça voulte sévère. Hein. Ça voulte sévère. Du poison, mon brave. Fort aimable. Quand même, une bouteille de poison pour 20 petits michouis, c'est quand même ultra baise. Surtout quand à l'étage... Ah non, d'accord, j'allais dire quand à l'étage, il y en a. Mais en fait, non, c'est lui qui m'en vend. Très bien. Oui. Très bien. Marchand a rien à vendre, on s'en souvient. Je vais voir le vieux... Pas notre ville, rien du tout. Les enfants sont toujours là. La bière coule à flot, à portée des enfants. Le vieux est mort, on sauvegarde. Longue vie au vieux. Et on va partir dans la mine, parce que dans la mine, il y a des zones à proutes. Et qu'il y ait des zones à proutes dans mon royaume est proprement inacceptable. Comme vous pouvez le voir. Fort heureusement, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Vu que les zones à proutes sont somme toute très réduites. Y'a rien ici, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que tout va bien? Ça bosse, ça mine, ça bûche, ça pécore. Ça pécadille. Très bien. Ça valait pas la peine. Je n'ai pas de regrets. L'important, c'est de n'avoir aucun regret. Ok. Hop. 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 Hop.
petit banc. Important de reprendre son souffle. C'est un voyage. C'est un voyage, c'est clairement un processus, avec toutes mes excuses. Cette itinérance absolument infinie. Brave Jean. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Voilà. Bon, je vais pas récupérer ça. L'ascenseur est réparé, tant mieux. Ça m'arrange. Ouh, les balles, non, j'ai tout à fond. Très bien. Allez. Quand même, pour remettre mon royaume en l'état. Putain. Voilà. Pour remettre mon royaume en l'état. Ça a été la croix et la bannière quand même. Allez. Enfin. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Une saloperie, bien sûr. Voilà. On lui a cassé la gueule. Là, il y a du minerai, et... un coffre. Et dedans, une hache nulle. Parfait. Génial. Fantastique. Gros gain de temps. Et en plus, on va rater le 100%, je suis sûr, à cause d'un item de merde qu'on aura oublié de récupérer. Putain. Voilà. Impeccable. Descends en bas. On va à gauche et on y est. Tac 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 tac. Bouc. Voilà. Tout va bien. Hop. Hop. Grosse défense contre les coléoptères, si tu veux. Fantastique, mais parfaitement inutile. Très bien, très fameux. Super. Super, super. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une zone sur la droite là-bas. Et on en aura fini avec les mines, avec la ville du village, les égouts et tout le reste. Et on pourra retourner dans nos catacombes à nous, histoire d'aller mettre une quille à ce roi des crapauds. Parce qu'il est inacceptable. Par là, oui. Y'a rien, on est d'accord, à part des balles. Câble. Putain. Hey.
Une épée nulle, une épée nulle. Génial. J'aime comme la vieille épée qui est roulée par l'acide et le poison faite avec des os de chien, si tu veux, est plus puissante que tout ce que peut me forger le forgeron. Puisque ce forgeron, avouons-le, est honteux. À se demander pourquoi je les ai sauvés. J'ai des plans ? On me dit que j'ai des plans ? J'ai deux plans. Je peux offrir une dernière chance aux forgerons de se racheter. Hein. Mais c'est la dernière. Should he fail ? S'il échoue, j'aurai sa tête. Pardon. Bonjour. Après tout, j'ai pas à tout me taper. Voilà. Top ville, il y a un fort pour. Bon. Impeccable. Par contre, on a tout fait. T'as une zone de gaz sous le village aussi. Sous le village ? Non, je l'ai fait par la monk. J'ai fait la zone de gaz. J'ai tout fait. Tu peux pas me dire ça. Il me force à vérifier, ce salaud. Le monde est en danger, les grenouilles nous attaquent, le château est assiégé, tout le monde meurt. Mais nous, on fait un tour de France afin de signer les exemplaires. De la forteresse du rat noir. C'est fait. C'est fait. Info de chat, c'est 10 minutes de ban. Book. Allez. Comme ça, moi. On est bien. On est bien. Bouc, voilà. Alors, objectif, aller tout en bas des catacombes. Facile. On va d'abord voir notre sac à merde de frangin. Allez. Ouais, je t'entends, ouais, tu joues du flippo, ouais, tu joues de la flûte. Allez, tiens, fais-moi un air. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, déjà un peu plus de gueule. Après, on n'y est pas, hein. Après, on n'y est pas. Il faut être... Écoute. Ah, il me manque une armure samedi. Ah, je pense pas avoir toutes les armes et armures du jeu. Hein. Je pense qu'il en manque, mais honnêtement, j'ai envie de dire... Bon, il me manque un pistolet aussi, mais honnêtement, j'ai envie de dire... You know what? Sincèrement, good enough. Good enough. Les calculs sont pas bons, Kevin, j'avoue. Allez. C'est temps de chargement. Au secours. Temps de chargement de la muerte. De la muerte. Épisode qui va durer 130 ans. J'espère que vous êtes divertis. Plus personne ne regarde cette série. Impeccable. Alors, le petit repos.
Igloo. On a toutes les balles? On a toutes les balles, très bien. Allons-y. En tout cas, un jeu vraiment fou, hein. Vraiment incroyable. Regardez ce que le studio en fait, quoi. Regardez ce que le studio en fait, parce que... Il est déjà mort. Il est pas mort. Ah, j'ai pas le droit de fuir! J'ai refait toutes mes munitions en leur vidant dessus. Hein. Allons-y. Ouais, j'ai mis un certain temps. Fort aimable. Allons-y. These devices appeared to give the power of flight. Reggie would have been impressed if they were not on the backs of frog scum. Réussi à le parer plusieurs fois. Allez, 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 allez. Ah putain, c'est pas grave. Voilà. Il reste qu'une balle. Mais honnêtement. Voilà, je vais me refaire. Voilà, j'avais foi d'en retrouver, vous voyez. 6 balles, on n'en a pas perdu tant que ça. Ouh. Ok. Beau marteau à une main. J'en ai déjà un, mais stylé. Hein. Une belle trouvaille. Impeccable. Du coup, ouais, on est vers la fin là. Il reste 2 salles. Alors ça commence déjà à ouvrir le feu. Pas de regret, pas de regret. Les munitions sont bien utilisées. 6 balles toujours. Excellent. Les docks perdus. Non, c'est pas. Too late. Reggie saw from the docks his brother's silhouette on a ship surrounded by tribal frog soldiers.
no sign of their foul beast. Whop! He had to get to his brother. Oh, putain! Ah putain, j'aurais dû lâcher en avant. Saleté de chaman. Allez! Oh putain! Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se chamaniser! Ah putain, j'ai été touché par ça! Ah putain, c'est pas grave! Ça touche! C'est paré! Reggie had little trust in shamans. There was more mystery in this world than his father had taught him. The shaman had gone, but he'd left a key. Oh là 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 là! Avec une tenue très stylée, une massue très stylée, un casque bien meilleur, mais non merci. Une tortue! Oh, le mystère s'épaissit! None had seen a turtle in many seasons. His father claimed he found one here as a boy. But it didn't look old. Reggie was almost two after all. Could a turtle reach such an old age? Eh ben, c'est vrai que comparativement à un rat, une tortue, ça vieillit un peu plus, hein. Oh, ce casque. Très bien, on trouve des armes à l'infini. Grateful to be free, and promising entertaining tales of Reggie's father as a pup. The turtle offered to take them across the river to the foul froglands. Allez, d'accord. Oh là 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 là, le jeu qui est infini. Eh ben allons-y. Oh putain, ça saccade. Itinérance, petit temps de chargement. Quel enfer. Quel enfer. Même pour un humain, une tortue, ça nous met la max, alors un rat, bah évidemment. The turtle bid the pair farewell. Reggie asked his friend to stay by the river. This was not his fight. But Jay never abandoned a comrade in need. They were as brothers now, he said. Oh là 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 là, cette taupe! La bromance que nous offre cette taupe! Eh bien écoutez, nous voici dans le monde mystique et mystérieux de nos ennemis, les salopes de grenouilles. Je pense que c'est un très bon endroit pour terminer l'épisode ici. Oh là là, ligne droite. Et ben ce sera pour un épisode final, brave Jean. Je vous remercie infiniment. Navré pour le contenu ces temps-ci, hein, je fais ce que je peux avec les dédicaces, le Z-Event et tout ceci. J'ai produit tout ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Je vous remercie infiniment, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou, miséricorde, miséricorde, la max.